Salutations à tous. Au cours des dernières années, nous avons présenté de très belles images de différents centres de ski à travers le monde. Mais cette année, cette nouvelle vidéocassette ne fait pas exception. Nous avons visité des sites merveilleux avec des pentes de bosses qui étaient de toute beauté. Et vous allez pouvoir en voir les conséquences durant les prochaines minutes. Le ski de bosse est un sport en pleine effervescence qui est haut en couleur, dont les règles sont déjà bien établies et les critères très sélectifs. Par contre, il y a encore beaucoup de place à l'improvisation. Il y a encore beaucoup de place à la venue de nouvelles manœuvres. Alors, je vous souhaite à tous un très bon visionnement et j'espère que vous allez beaucoup apprécier ce vidéo. Être un skieur polyvalent, c'est sûrement une des qualités primordiales pour être bon dans les bosses. Si on fait simplement que des bosses, si on s'entraîne pour être champion du monde dans les bosses, toujours dans la piste de bosses, il manque quelque chose. Ça prend un instinct de skieur. C'est ce qui a fait sûrement la force d'Edgar Groupiron au cours des années. C'est ce qui fait un peu mon charisme à moi quand je skie dans les bosses. C'est qu'on est des skieurs polyvalents. On apprécie le ski, on apprécie les montagnes. On aime se retrouver ici. C'est notre terrain de jeu. Puis la montagne comme terrain de jeu, il n'y a rien de plus beau que ça. On est dans le grand air, à des altitudes de fou. Alors c'est important d'être un peu un skieur d'instinct. Il faut être bon dans tous les domaines et à ce moment-là, on devient encore meilleur au niveau des bosses. Jean-Luc Brassard, 18 ans, Canada National Team. その年ワールドカップ初出場で優勝という快挙を成し遂げ、93シーズンには11戦中6勝という成績で総合優勝を果たす。そして94年度に行われたリレハンメル冬季オリンピックでバックスクラッチャー小ザックを初披露し、エドガー・グロスピロン、セルゲイ・シュプレツォフを抑え、ゴールドメダリストとなる。このオリンピックでジャン・リュックは世界的なスーパースターとなった。 エアーのキレの良さと、コブでのずば抜けた吸収テクニックは世界一と言える。
Jean-Luc Brassard, Canada. 3, 2, 1, go! Alors, il n'y a rien d'acquis d'avance. Déjà, auparavant, il y avait Edgar et Sergei qui étaient extrêmement forts. Maintenant, malheureusement, Sergei est décédé et Edgar a pris sa retraite. Ça ne veut pas nécessairement dire que la tâche est plus facile. Ça veut juste dire qu'il faut encore travailler encore plus fort parce que les jeunes, eux, ils vont de l'avant avec des nouveaux sauts, des nouvelles techniques et beaucoup de rapidité. Alors, celui-là, ben, je vais le garder précieusement à la maison. Puis, c'est un beau souvenir puis il a été acquis d'une manière assez dramatique. Ça va être assez spécial de le ramener à la maison, de le mettre sur l'étagère avec les autres et puis de le regarder pour les souvenirs qu'il va pouvoir m'apporter. World Cup 96ワールドカップはフランスのティーヌで初戦が開幕された。 エドガー、セルゲイという強力なライバルが姿を消した96シーズン。 ジャンリュック・ ブラッサールは その第一戦を順当に勝ち、初戦を飾った。 幸先のいいスタートを切ったように見えたが、 予選第2エアの着地でかかとを痛打。 シーズン前半戦はその怪我に泣かされることとなる。 La saison qui vient de se terminer a quand même été une belle saison pour moi parce que j'ai pu emporter le titre de Grand Prix de la Coupe du Monde. Sauf qu'il y a quand même beaucoup de points à améliorer. Un des points, c'est certainement les sauts. Normalement, j'ai pas trop de misère, mais il semble que cette année, ça a été une lacune pour moi. Et j'ai expérimenté quelques difficultés, surtout au niveau du décollage, de la bosse de départ. Et ça faisait en sorte que ma trajectoire était plutôt en longueur, plutôt qu'en hauteur. Donc, je me dois de faire en sorte que mes départs soient plus prompts, que les manœuvres exécutées dans les airs soient plus perfectionnées. Cette année, j'ai essayé des nouveaux sauts qui étaient peut-être un petit peu à l'avant-garde, mais qui étaient peut-être aussi un petit peu prématurés et qui n'étaient pas tout à fait au point. Alors cet été, je vais devoir... Le ski sur bosse est un sport extraordinaire à pratiquer. Avec quelques petits conseils, voilà qui va faire en sorte que vous allez avoir encore plus de plaisir à le pratiquer. Pour éviter d'être courbaturé, autant au niveau du bas du dos qu'au niveau des genoux, il s'agit d'abord et avant tout de bien suivre la neige avec les skis. Alors, autant on se trouve sur le dessus de la bosse ou entre deux bosses, le ski doit toujours suivre la neige. À ce moment-là, c'est un mouvement tout à fait naturel. C'est comme une espèce de mouvement de pédalier sur une bicyclette. Un bon équilibre dans le ski de bosse, c'est évidemment d'avoir des bâtons bien en avant. Et le mouvement de bâton se fait par le poignet. Lorsque le coude et l'épaule
tombe vers l'arrière suite à un mouvement de bâton qui est prolongé au niveau de la bosse, et bien à ce moment-là, ça entraîne un déséquilibre général qui fait en sorte que la bosse suivante, lorsque les skis montent en premier parce que le corps était balancé, et bien évidemment, c'est la chute par en arrière et c'est ce qui fait entre autres que c'est pas tellement agréable. Donc pour avoir beaucoup plus d'agrément, les bâtons toujours en avant, le mouvement des poignets simplement, et aussi avoir une excellente vision. Lorsque vous conduisez sur la route, vous ne regardez pas en avant de votre pare-choc pour voir qu'est-ce qui se passe. Vous regardez beaucoup plus loin en avant de manière à tout stabiliser. C'est la même chose en ski. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui absorbent les bosses avec le bas du dos. C'est ce qui fait en sorte qu'ils sont beaucoup courbaturés par la fin de la journée. Le meilleur moyen de faire, c'est d'absorber avec la hanche et le genou, tout en gardant le dos bien droit. Ça ne devrait pas être un problème. Si vous avez une bonne vision, le haut du corps devrait rester bien stable et à ce moment-là, ça devrait faciliter beaucoup les choses. Alors, une des choses primordiales dans les pentraides au niveau de l'absorption, c'est évidemment aussi de garder les pieds sous le corps. Lorsque les pieds vont légèrement vers l'avant, maintenant, on se retrouve en position chaise, ce qui n'est pas une excellente position au niveau des bosses. Les articulations forcent beaucoup trop. À un certain niveau, le contrôle de la vitesse se fait par l'absorption et non pas par les virages. Et simplement, avec un bon mouvement d'absorption, un roulement par-dessus la bosse, lorsqu'on arrive de l'autre côté, je vais bien appuyer avec les pieds, et à ce moment-là, la vitesse va accélérer de nouveau jusqu'à la prochaine bosse. De plus en plus, les skieurs de bosse contrôlent leur vitesse au niveau de l'absorption. La saison de Coupe du Monde vient toujours de se terminer, ça fait du bien. Maintenant, on entre dans notre période de vacances. On peut dire qu'on est en vacances toute l'année, mais cette fois-ci, c'est des vacances officielles. On s'en va à la maison, on s'en va changer les idées. On va se ressourcer un peu aussi parce que pour bien performer, il faut toujours avoir la passion de faire ce que l'on fait. On adore skier, tout le monde, je l'adore en particulier. Sauf qu'il s'agit de retrouver le goût, le feu sacré. Et puis pour ça, il faut s'absenter un peu du ski, de faire le vide, de profiter de l'été comme tout le monde, parce que la neige est bien beau, sauf que ça fait du bien de voir la chaleur un peu. Alors, une fois que ça va être passé, au milieu de l'été, bien, les périodes d'entraînement vont recommencer. On va retourner sur les glaciers et puis on va continuer à penser à des nouveaux sauts, des nouvelles choses à essayer d'exécuter et puis à se préparer mentalement pour le début de la prochaine saison. Mais en attendant, c'est le fun, c'est important d'avoir du plaisir et de savourer qu'est-ce qui nous est donné de savourer. Ça fait qu'on en profite. ジャンリュックはパウダーが大好きだ。トレーニングや大会の間でも雪が降ると必ずパウダーに飛び込んでいく。気持ちがリフレッシュし、モーグルに必要なバランス感覚も同時に養うことができる。大会やモーグルバーンとは別の一面を見ることができる。
Les sauts font partie intégrale du ski dans les bosses. Pour bien réussir les manœuvres, on peut vous laisser quelques conseils qui vont faire en sorte que ça va être beaucoup plus facile d'exécuter les sauts et de faire en sorte que les atterrissages vont être beaucoup mieux pour continuer dans les bosses. On va voir ça dans quelques instants. Beaucoup d'athlètes vont tourner jusqu'au dernier instant, soit même jusque dans la transition du saut, de manière à ralentir la vitesse. La stabilisation de la vitesse doit se faire 2 ou 3 bosses à l'avance et ensuite, tranquillement, pas vite, éviter les virages superflus de manière à avoir une bonne entrée bien droite dans le saut. À ce moment-là, c'est une garantie d'avoir un bon départ. L'atterrissage des sauts est évidemment extrêmement important pour bien continuer dans les bosses. Plusieurs athlètes atterrissent les pieds vers l'avant, ce qui entraîne évidemment un déséquilibre. C'est bien important de toujours garder les bottes sous le corps, de manière à ce que l'absorption se fasse, l'absorption de l'impact du saut, se fasse avec les genoux et les hanches. Pour exécuter le twister, qui est une rotation des skis d'un côté ou de l'autre à 90 degrés, il s'agit de bien tourner les skis et les bras d'une manière synchronisée. Les skis d'un côté et les bras du côté opposé. Si vous voulez faire une double manœuvre à ce moment-là, il s'agit de fouetter les bras dans la direction opposée et ça va être une manœuvre parfaitement exécutée. Et pour faire en sorte que la manœuvre est bien exécutée, d'amener le bras le plus à l'arrière possible. Comme ça, la manœuvre va être vraiment exagérée et elle va avoir une bonne amplitude dans les airs. Exécuter le défi est encore une fois une manœuvre d'action-réaction. Lorsque vous amenez en avant votre jambe gauche, vous n'avez qu'à amener à l'opposé votre bras droit de manière à bien compenser. Le tout en gardant les jambes bien tendues de manière à avoir une belle amplitude au niveau du mouvement. Nous sommes maintenant rendus au Kozak, qui est ma manœuvre de prédilection. Voilà encore une fois un saut qui n'est pas tellement difficile à exécuter et qui est extrêmement spectaculaire. Pour bien le faire, il s'agit dès la sortie de saut d'envoyer les jambes en avant, de la manière d'un grand écart, et en contrebalançant, en penchant le haut du corps légèrement en avant. Voilà encore une fois une manœuvre qui est extrêmement facile à faire. C'est simplement, en sortie de saut, d'être bien allongé, d'avoir les bras légèrement à l'arrière de manière à contrebalancer le fait que vos jambes vont plier vers l'arrière, donc une flexion au niveau du genou, et simplement avec un léger mouvement de cheville, de rentrer les orteils vers l'intérieur et le talon vers l'extérieur. Vos skis vont croiser automatiquement et il s'agit simplement de remettre le genou en extension complète pour se préparer à l'atterrissage. Lorsqu'on arrive dans le saut, bien regarder à l'avant de manière à bien prendre position à l'amorce de la manœuvre. Tourner les épaules et la tête de manière synchronisée tout en restant dans l'axe. Donc, au départ, on prend repère devant et on continue la rotation avec les bras et la tête. Et voilà qu'il va tourner très facilement. Lorsqu'on veut exécuter un 360 degrés avec position, à demi-rotation, voilà qui n'est pas tellement plus compliqué. Et à demi-rotation, on n'a simplement qu'à ouvrir les bras, voilà qui va arrêter la rotation. On exécute la manœuvre de notre choix, que ce soit l'écart, le Kozak, le Iron Cross. Et par la suite, on n'a qu'à refermer les bras et le reste de la rotation va s'effectuer très facilement. Pour bien exécuter les doubles, triples et même quadruples manœuvres, c'est important d'avoir un excellent départ. Souvent, les athlètes pensent un peu trop tôt à exécuter les manœuvres, ce qui fait en sorte
que ça s'avère pratiquement un gâchis. Donc, un excellent départ, une bonne vision, une bonne coordination des mouvements de bras et des mouvements de pieds, et de prendre bien le temps de compléter chacune des manœuvres les unes après les autres va faire en sorte que la manœuvre va être un succès. それではヤン・リュックのスペシャルジャンプを見ていこう。本番では見せることのない4アクションや5アクションをトレーニングでは試みている。長野での世界選手権、オリンピックでは信じられないようなニューエアを見せてくれることだろう。 Les bosses, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à faire, mais c'est ce qui fait un peu la beauté de la chose. C'est que ça prend comme n'importe quel sport de haut niveau, ça prend beaucoup d'entraînement, ça prend beaucoup de passion, mais ça en est tellement un bon feeling lorsqu'on réussit à faire de bonnes performances en compétition de Coupe du monde. Et puis, justement, ce feeling-là de Coupe du monde, c'est quelque chose qui nous manque à un moment donné. Évidemment, l'été, ça nous sert un peu de période d'entraînement, mais on a tous hâte de retourner à la compétition, on a tous hâte d'essayer de se mesurer les uns les autres pour la beauté du sport et pour essayer de faire d'excellentes performances. Alors, ces compétiteurs-là qui sont aussi mes coéquipiers et puis qui sont aussi mes amis, c'est des gens qu'on a beaucoup de plaisir à retrouver en début décembre pour encore une autre saison de compétition. Et puis, c'est ce qui fait un peu la beauté du sport en général. Il y a beaucoup de choses à améliorer, il y a beaucoup de challenges, mais ça vaut la peine d'essayer de se mesurer à ce challenge-là parce qu'on en tire beaucoup de satisfaction. ジャン・リュックのテクニックの特徴は、誰よりも大きく柔らかい吸収動作。昨シーズンはスピードに重点を置きすぎて、ポジションが高くなり、吸収動作も
江戸川グロスピロンがオーガナイズして行われたタムタムスキーショー。パリにある体育館に特設のモーグルバーンが作られ、2万人の観衆が集まった。Depuis plusieurs années, tous les skieurs de la Coupe du Monde au niveau international savent très bien que la puissance japonaise est en marche. On a eu la preuve cette année avec la victoire de M. Sakamoto à la dernière épreuve de la saison. C'était une victoire qui était amplement méritée du fait qu'il est lui-même très talentueux. Il a exécuté de très beaux sauts et une descente technique pratiquement impeccable. C'est un peu à l'image des skieurs japonais en général qui, depuis longtemps, performent d'une manière extraordinaire, mais en compétition, souvent, les petites erreurs se glissaient. Ça faisait en sorte que ça tournait d'une manière un petit peu plus dramatique de leur côté. Avec l'avenue des Jeux de Nagano, avec les excellentes pistes de bosse que les Japonais possèdent sur leur très belles montagnes, c'est à nous, les skieurs étrangers, de prendre bien soin, de bien s'entraîner pour pouvoir rivaliser avec eux. Mais j'espère qu'avec cette vidéo, je vais pouvoir vous donner des nouvelles techniques, des nouveaux trucs, et puis le goût de bien performer pour les prochaines années. Arigato. Si, señor.